Nous lisons ce matin dans la Bible trois textes. D'abord, au psaume 65, les versets 10 à 14. Ô Dieu, tu as visité la terre, tu l'arroses en abondance, tu la combles de richesses. La rivière de Dieu regorge d'eau, tu prépares le blé pour les hommes. Tu mets la terre en état, tu irrigues ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par la pluie, tu donnes aux graines la force de germer. Tu achèves en beauté une année de bonté. Sur ton passage, l'abondance ruisselle, les pâturages de la campagne ruissellent de la même richesse, les collines s'entoure de cris de joie. Les prés se parent de troupeaux, le fond des vallées se couvre de blé, les clameurs de joie et les chants retentissent. Et puis quelques versets dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, les versets 24 à 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et le troisième texte sur lequel portera la prédication se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, les versets 1 à 20. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse, qu'il monte s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre face à la mer, et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Voici que le semeur est sorti pour semer. Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a aussitôt levé, parce qu'il n'y avait pas de terre en profondeur. Quand le soleil fut monté, il a été brûlé et faute de racines, il a séché. Il en est ainsi tombé dans les épines. Les épines ont monté, elles l'ont étouffé et elles n'ont pas donné de fruits. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre et montant et se développant, ils donnaient du fruit. Et ils ont rapporté 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. Et Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur les paraboles. Et il leur disait, « À vous le mystère du règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors, tout devient énigme, pour que tout en regardant, ils ne voient pas et que tout en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il leur soit pardonné. » Et il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole ?
Voilà ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et il enlève la parole qui a été semée en eux. De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ils sont les hommes d'un moment et dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent. D'autres sont ensemencés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et des autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit. Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, ils portent du fruit, 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. La parole est la vérité de nos vies. Donne-nous de vivre cette vérité. Je vous invite à chanter au cantique 192, les strophes 1 à 5. Au Seigneur bénis la parole. Cantique 192, strophes 1 à 5. Notre Dieu et notre Père, nous désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources. Nous poursuivons tant de quêtes. Et ce matin encore, tu viens à notre rencontre pour nous faire entendre ta parole. Fais que les Écritures de la Bible que nous avons relues ne restent pas lettres mortes. Envoie sur nous ton Esprit pour qu'il nous livre ta parole vive et qu'en tournant les pages du livre, nous puissions ouvrir une page nouvelle dans nos vies. Que livrés à l'Évangile de ta grâce, nos existences soient transformées et portées par le désir de le transmettre. Qu'il soit vraiment pour nous la bonne nouvelle qui libère, la nourriture de nos jours,
la promesse sur nos chemins. Les choses les plus simples ne sont pas toujours les plus évidentes à recevoir. Ainsi en est-il de cette parabole du semeur que certains d'entre vous connaissent sans doute par cœur. Cette parabole si claire en apparence qui va pourtant susciter la perplexité des auditeurs de Jésus et notamment de ses disciples. Au point que dès qu'il se retrouve à l'écart avec le maître, il lui demande des explications. Alors j'ai été questionné par leur questionnement et j'ai cherché à comprendre pourquoi ils étaient ainsi dans l'embarras. Quels étaient les motifs de cette difficulté? Et j'en ai trouvé trois aspects de cette parabole susceptibles de les surprendre, voire de les déconcerter. Au point d'ailleurs de rendre les propos de Jésus, en tout cas sinon compliqués à comprendre, en tout cas difficiles à entendre et plus encore à accepter. Trois éléments de cette parabole qui ont certainement pu bousculer les représentations de Dieu qu'ils s'en faisaient, comme ils peuvent aussi bousculer les nôtres. Celles qui ont cours dans notre société, dans nos églises et peut-être plus encore dans nos têtes. Oui, ce semeur peut semer le désordre dans nos conformismes théologiques, dans nos habitudes ecclésiales ou dans nos résignations citoyennes. Pourquoi ? Parce que de trois manières au moins, il remet au centre de notre histoire et de nos vies une dimension qui semble s'en être aujourd'hui effacée, la dimension de l'espérance.
Et dans ce texte, le premier visage de l'espérance, eh bien, c'est celui du semeur lui-même. Un visage surprenant pour les auditeurs de Jésus, parce qu'il ruine l'image qu'ils se faisaient, eux, du Messie. En effet, ce n'est pas sous les traits d'un semeur qu'ils l'imaginaient. Ils n'attendaient pas du Messie qu'il ouvre une histoire nouvelle, mais qu'il offre au monde un monde tout fait, achevé, livré, clé en main, dans lequel il n'y aurait plus qu'à s'installer et plus rien à construire. Ils rêvaient d'accomplissement et non de commencement. Ce n'était donc pas un semeur qu'ils se préparaient à accueillir, c'était un moissonneur, un Messie des récoltes qui établirait enfin son royaume de paix et qui enfin mettrait les siens au repos. Et nous pouvons comprendre une telle aspiration. En effet, lequel d'entre nous n'a jamais éprouvé ce besoin de souffler un peu quand le poids des responsabilités ou des engagements nous écrase? Et je pense aux militants de l'entraide. Qui n'a été un jour tenté de baisser les bras quand la misère du monde est trop lourde à porter? Ou tout simplement, certains jours, quand la joie et le bonheur d'exister semblent se dérober sous nos pas? N'est-ce pas d'ailleurs à ce désir de lâcher prise que répondent, du reste avec un certain succès, bien des spiritualités contemporaines, y compris certaines qui se veulent chrétiennes? Ces religiosités où s'exprime plus ou moins confusément une envie de quiétude et d'évasion hors des turbulences de la vie, à l'écart d'une histoire souvent tragique et douloureuse. Alors on recherche des moments et des temps permettant d'oublier, voire de fuir ce monde perdu. On aspire plus à changer de monde qu'à changer le monde. Quand on ne spécule pas sur sa fin. Sauf que justement, l'image du semeur n'évoque pas la fin du monde, ni la fin d'un monde, mais elle nous parle encore et toujours des fins et des soifs de ce monde, celles des plus fragiles et des plus vulnérables de nos sociétés auxquelles vous vous efforcez de répondre dans le cadre de l'entraide. Et la reconnaissance de votre ministère au cœur de ce culte vient précisément nous rappeler la tâche prioritaire des disciples d'un Messie semeur. Une tâche qui consiste à dire à tous les déboutés du droit de vivre que rien n'est jamais fini, à poser au cœur de leurs angoisses des mots et des gestes qui témoignent encore et toujours de la promesse des commencements. N'en déplaise, au passage, aux tenants d'une laïcité inquiète et soupçonneuse qui voudraient aussi, à leur manière, mettre parfois les croyants en congé de l'histoire, les empêchant ainsi de mettre leur grain d'espérance là où ça dérange. Car bien sûr, ils sont gênants, ces semeurs, qui ne se résignent pas devant les fatalités et qui veulent chaque jour écrire encore une histoire nouvelle, une page nouvelle. Ils sont fatigants, ces semeurs, ces prophètes, ces poètes qui croient que le monde est toujours à construire. Vous le savez, il y a 50 ans déjà, nuitamment sur les murs de Paris, des mains invisibles écrivaient « Soyez réalistes, demandez l'impossible ». Et oui, on comprend aussi pourquoi cette image du semeur qui commence peut interroger aussi nos vies ecclésiales. Car ce semeur qui sort pour semer nous invite, nous aussi, chacune et chacun, à sortir à son tour. Sortir, j'ai envie de dire, des églises greniers qui ne rassemblent que des semblables pour aller à la rencontre de l'autre différent. Comme veulent le faire les frères et sœurs venus d'Allemagne, qui s'intéressent à l'interreligieux, aller vers l'autre différent. Sortir de l'entre-soi confiné d'héritiers suffisants quand ils s'accrochent à un passé glorieux qui leur tiendrait lieu de présent.
sortir de nos pudeurs et de nos peurs pour nous tourner avec confiance vers demain. Car tel est bien le message étonnant, le premier message étonnant de cette parabole du semeur. Chers amis, frères et sœurs, c'est encore le temps des ensemencements. C'est encore le temps des commencements. Ce n'est donc pas la fin de l'histoire. Ce n'est donc pas la fin de l'Église. Ce n'est donc pas la fin du protestantisme. Mais c'est encore et toujours le temps de l'espérance. Pour autant, il ne s'agit pas de succomber aux illusions de la méthode Coué. Nous savons bien que si tout peut commencer avec ce semeur qui sort pour semer, son activité n'est pas de tout repos. Celui qui sème n'est jamais sûr de recevoir les fruits de son travail. Son labeur est ingrat, pénible, plein d'aléas. La graine est fragile. Tous les terrains ne sont pas fertiles. Le climat n'est pas toujours clément. Alors, ne nous y trompons pas. À travers cette parabole, Jésus parle aussi à ses disciples, et ils ont sûrement du mal à l'entendre. Jésus parle aussi à ses disciples d'incertitude, de dispersion, et même de perte et de mort. Lui-même est un semeur qui meurt avant d'avoir vu la moisson. C'est là, on le comprend, le deuxième motif d'étonnement pour celles et ceux qui considéraient que le Messie de Dieu et sa parole devaient s'imposer d'une manière évidente à toutes et à tous. Et du coup, cela aussi, bien sûr, peut nous déranger nous-mêmes, nous surprendre. Que Jésus nous dise que Dieu se révèle à nous, qu'il vient vers nous dans la fragilité et la faiblesse d'une graine toujours exposée. Car nous le savons bien, accepter d'être simplement un semeur n'est ni confortable ni gratifiant. Je dois dire que nous le mesurons même tous les jours, face aux malentendus, aux difficultés, à l'échec même de notre prédication, de notre catéchèse, de notre transmission, de notre communication, de notre diaconie, dans un monde qui n'est pas plus prêt que celui d'hier à recevoir l'Évangile. C'est bien pourquoi la tâche du semeur engendre souvent l'inquiétude et le pessimisme, d'autant que pendant longtemps, rien ne sort de terre, rien ne fait signe. Durant ce temps des maturations silencieuses, il faut accepter d'être dans la patience et dans l'attente, être dans le non-savoir, seulement dans la confiance, s'inscrire dans la durée, avoir foi en demain. Alors là encore, voyez à quel point cette parabole du semeur interroge notre rapport au temps dans notre société, dont l'excellent journal Réforme s'est fait un écho il y a quelques semaines. Nous vivons en effet dans un présent de plus en plus présent et de plus en plus pressé, qui sape la confiance en demain. L'avenir est perçu aujourd'hui comme inquiétant, imprévisible, indéchiffrable. Alors, le seul investissement qui vaille est dans le maintenant et dans le tout de suite. Parfois même, dans la tyrannie de l'urgence, nous voudrions moissonner avant d'avoir semé. Car en fait, pour l'individu moderne, ce qui compte, c'est ce qu'il réalise totalement lui-même. Porté par l'illusion de sa toute-puissance et de sa toute-maîtrise, il veut toujours achever ce qu'il a entrepris, oubliant que le verbe « achever » signifie aussi « faire mourir ». Achever, c'est tuer l'espérance. C'est dénier à l'humain la capacité d'envisager de nouveaux possibles, d'imaginer de l'autre dans sa vie, de susciter du neuf, pour tout dire, de ressusciter. Le grand homme de théâtre et homme d'État, Vaclav Havel, a dit un jour que dans nos sociétés, on ne savait plus attendre. Mais c'est peut-être parce qu'au fond, nous n'attendons plus rien.
alors pour retrouver le goût de l'espérance. Sans doute faut-il résister, comme le semeur, aux impératifs de réalisation immédiate et de rentabilité, cette culture du résultat qui souvent nous épuise et nous fait perdre courage, y compris parfois dans nos engagements ecclésiaux et diaconaux. La parabole ici nous rappelle l'essentiel qui nous revient, semer. Semer la parole fragile et féconde. Semer, sans forcément voir les fruits, mais semer avec confiance, puisque nous croyons que la moisson et nos vies sont dans les mains de Dieu. C'est pourquoi, comme le montre la parabole, aucun terrain ne doit être tenu à l'écart des semailles. Même ceux que nous pourrions considérer comme arides et secs, même ceux qui nous semblent si peu préparés à l'accueillir. Et là encore, vous le savez sans doute très bien, à l'entraide, c'est souvent au cœur des fragilités et des blessures de vie meurtrie que l'espérance peut s'engouffrer. Nous sommes ainsi conduits au troisième et dernier élément de surprise de ce texte, mais qui est, au fond, en tout cas pour moi, peut-être le plus dérangeant. Au point d'ailleurs que les évangiles synoptiques, lorsqu'ils se sont constitués et écrits, donnent l'impression d'avoir voulu chercher à le gommer un peu, ce caractère étonnant, en ajoutant ce commentaire bien pensant et un peu moralisateur pour exhorter l'Église primitive et chaque chrétien à être un bon terrain, une bonne terre, bien labourée, bien irriguée, qui se justifie par ses bons résultats. Comme s'il fallait donner un peu de cohérence au comportement incohérent, en apparence, de ce semeur. En effet, si on s'en tient strictement au texte de la parabole, il est vraiment étonnant, ce semeur. Il sème à tour de bras, il sème n'importe où. Voilà un chemin, il sème. Voilà des pierres, il sème. Voilà des épines, il sème. On en vient presque à s'étonner qu'il en soit quand même tombé un petit peu dans la bonne terre. Curieux, ce semeur, et certainement pas aveugle. Il a vu tous ces obstacles. Il sait donc bien qu'à vue humaine, le grain ne donnera pas de bonne récolte. Et pourtant, il sème. Ainsi, chers amis, nos vies sont faites de ces terrains les plus divers, parfois les plus réfractaires. Et pourtant, Dieu sème. Eh bien, je crois que c'est dans ce pourtant que réside tout l'amour de Dieu. Pourtant et partout, il sème sans compter, même dans nos parts d'ombre, semeur admirable qui ne désespère d'aucun terrain et ne mesure ni sa peine ni la graine, de peur d'oublier un tout petit coin de nos vies. Décidément, quand on sème, on ne compte pas, parce que quand on aime, on ne compte pas. Alors oui, j'aime ce semeur, ce Dieu semeur qui accepte de gaspiller ainsi la semence. Un Dieu pour tous qui refuse de limiter la semence juste au bon terrain parce qu'il espère en chaque être humain. Un semeur qui dépense sans compter pour que chacun puisse se tourner vers lui et répondre à son appel tel qu'il est, avec ses fragilités et ses blessures secrètes, ses incertitudes et ses questions, ses découragements et ses doutes, et même parfois ses révoltes. Quand la vie est trop dure et le malheur trop grand, j'aime que Dieu soit ce semeur qui n'attend pas que je lui offre la terre bien labourée de mes belles dispositions, le sol fertile de mes mérites et de mes bonnes œuvres, mais qui ensemence d'espérance ma vie telle qu'elle est, même là où c'est difficile, même là où c'est sans espoir à vue humaine. Oui, j'aime que Dieu ne désespère pas de moi, ni de nous, ni de notre Église, ni de notre monde,
et qu'il enfouit sa perte, sa parole de grâce, dans les endroits les plus secrets et les plus arides de nos existences. J'aime qu'il puisse faire de chacune et de chacun de nous un semeur d'espérance, un semeur qui sort pour semer, porté par la joie et par la force des commencements, un semeur patient et confiant, un semeur tourné vers demain, un semeur tout terrain qui, à son tour, aimera et sèmera sans compter. Oui, voici que le semeur est sorti pour semer. Et déjà, il nous attend. Amen.